L'humanité va-t-elle s'en sortir? Nous éveillons en chacun de vous des voies d'accès à de nouvelles réalités, de nouvelles lignes temporelles, de nouvelles expériences, de nouvelles énergies, de nouvelles versions de vous-même. Nous vous aidons à croire en la validité de ces nouveaux aspects de la vie sur Terre, de ces nouveaux potentiels pour chacun d'entre vous. Et nous le faisons de différentes manières. Nous détenons la connaissance si fortement en nous-mêmes lorsque nous nous connectons à vous et lorsque nous répandons les énergies que nous faisons dans vos champs, que vous ne pouvez pas vous empêcher de capter cette connaissance. Nous sommes pour vous ce qu'est un autre être humain qui sait exactement ce qu'il fait et comment gérer une situation que vous trouveriez pour le moins anxiogène. Et lorsque vous êtes en présence de cette personne, votre anxiété est automatiquement diminuée par sa certitude de pouvoir gérer la situation en question. Nous savons que vous allez y arriver en tant qu'individu et en tant que groupe, et nous savons que vous avez le potentiel d'apprécier davantage l'expérience. Vous n'avez pas à considérer cela comme une simple survie, mais plutôt comme un voyage sans pareil, un voyage joyeux où vous vous pavanez dans des champs de tulipes. Vous avez la possibilité de choisir et vous avez la possibilité de vibrer en harmonie avec les meilleures expériences, les meilleures lignes de temps, les meilleures versions de vous-même. Vous y arrivez avec de l'aide. Il y a toujours de l'aide. Lorsque vous naissez, vous êtes accompagné par des adultes, généralement vos parents, qui savent ce qu'il faut faire. Ils en savent un peu plus sur ce monde que vous avez tant oublié, ce qui leur donne la capacité de vous aider de diverses manières, et c'est ce qu'ils font le plus souvent. Vous bénéficiez de la stabilité de leur énergie, du fait qu'ils savent comment trouver de la nourriture et vous l'apporter, comment trouver des vêtements et vous les mettre, etc. Tout le monde a de l'aide en permanence. Et lorsque vous recevez de l'aide, lorsque vous devenez la force stabilisatrice de l'humanité ou de vos proches, vous pouvez alors transformer quelqu'un par votre présence, par votre savoir, par cette certitude que vous avez maintenant que tout va bien se passer, que l'humanité va s'en sortir et que ce changement de conscience est inévitable. C'est la course pour laquelle vous avez signé et c'est le seul jeu en ville. Alors, autant le jouer consciemment et autant s'amuser pendant que vous le faites. Nous répandons ces énergies dans vos champs en ce moment parce que nous voulons que vous voyez votre propre potentiel. Nous voulons que vous voyez à quel point la vie sur Terre peut être belle et le sera si vous le permettez et si vous le choisissez. Et nous sommes ici pour vous éternellement, pour maintenir cet espace, tout comme nous savons que vous êtes là pour faire la même chose pour vos frères humains. Et vous avez notre reconnaissance infinie pour avoir répandu les énergies autour de vous. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.